Bienvenue dans la République du Sauget. C'est juste à côté de la Suisse. Alors moi, je pense qu'ils sont Suisses. C'est la zone tampon parce qu'ils ne veulent pas faire partir de la France. Donc, ils sont Suisses. La Suisse est à 2 minutes à pied. Encore un territoire tampon de ces Suisses. C'est comme Manuel Valls. Ils forment des agents dormants suisses pour se mettre à l'Elysée. Voilà. Franche-Comté. La Bellegarde, l'obélisque, symbole de la domination pharaonique, toujours au poste clé, parce que là-bas, il y a la mairie. Là-bas, la pierre de l'aristocratie, le château. Et ils ont là l'aristocratie, voilà, nos seigneurs, franc-maçonniques en haut, là l'exécutif peut-être, et là le peuple, vieilli, ils sont fatigués de travailler, et là il y a marqué au fil du temps, à travers le temps, il n'y a rien qui est changé. C'est toujours la même chose, Bellegarde, dans l'Haute-Savoie, à côté de la Suisse. Château, Pharaon. Toussaint, l'ouverture, mon frère, l'esclavage, ça existe toujours encore. Et c'est pas... Ça me fait mal qu'ils t'ont ramené ici de mourir bêtement ici, là, dans cette bourque, dans cette bourre. Le mal, je te l'ai dit, le mal, c'est la Suisse, parce que la Suisse a été fondée par des Templiers. Et l'esclavage, ils ont fait la même chose avec l'homme blanc. C'est l'aristocratie de ce pharaon et leur base est la Suisse. Combattons, nous, ensemble, cet ennemi de l'intérieur, la Suisse. Mon frère Toussaint, l'ouverture. L'autostop, il n'y a personne qui me ramène. Vous voyez, même le symbole pour les châteaux en France, on dirait que c'est un quadrant, 4. Ben non, c'est octogone, octogonal. C'est des nazis templiers, c'est le nouvel ordre mondial, ce sont tous les symboles militaires octogones de châteaux, quoi, de chevaliers du roi. Ils s'appellent la police maintenant, les chevaliers du roi. Il y a beaucoup de PD là-dedans, LGBT, parce que l'homme, il n'arrive pas à s'organiser, on est écrasé par l'organisation, et au même moment que, en fait, le nouvel ordre mondial, ils ont pris le pouvoir, donc ça veut dire le deuxième, troisième fils qui voulait régner aussi, au lieu du primogéniture, le droit d'aînesse, ils ont remplacé le pouvoir de l'homme à la famille, la tête de la famille. C'est pour ça qu'ils ont tué des juifs et ils vont tuer des arabes aussi. Ils sont patriarcales. Au même moment, les PD, les femmes, les LGBT et le deuxième, troisième fils, ils ont fait une alliance, ils ont pris tout le pouvoir. Et ils ont hautement organisé. Octogone. Hein? Les chevaliers, les châteaux, les templiers, c'est pour ça qu'ils ont mis octogone. C'est comme une étoile d'araignée. Bon, il n'y a personne qui me ramène en stop. J'ai déjà marché 4 km, je pense. Bon, le dernier 6, facile. Sur mes sandales. Yeah. Et c'est pour ça, en fait, que c'est la société, la police, la justice, toute féminine, tout au service pour madame, aidée par des PD, des Homo, des Gwyn, et des deuxième, troisième fils qui voulaient régner aussi. C'est tout féminin, tout au service de madame. Et le symbole de l'homme est Jésus sur la croix. Il était bien ce Jésus, mais le symbole n'est pas trop bien. Parce que ça symbolise l'homme. Il a sa main croisée, donc il ne peut pas se défendre. C'est interdit, il faut tout subir dans cette société-là, quand un homme. Il a ses pieds croisés, cloués, il ne peut pas courir. Il ne peut pas s'enfuir, il ne peut que remuer la tête et dire « Oui chérie, non chérie, non monsieur le président, oui monsieur le juge. » Comme ça. Après ils disent, ils ont encore la couille de dire « Liberté, fraternité, égalité. » Personne qui me ramène en stop.